deux hommes qui avaient menacé de mort et de viol la journaliste Nadia Adam, après une chronique où elle se moquait des internautes du forum 1825, ont été jugés aujourd'hui par le tribunal correctionnel de Paris. Capture d'écran du forum 1825 de jeuxvideo.com. Ils sont côte à côte à la barre, bras croisés, l'air tout à fait ordinaire. Chemise et basket blanche, lunettes, le plus jeune s'appelait Tintin Dealer sur le forum 1825 du site jeux vidéo. Comme pointe, il a 20 ans, travaille chez France Télécom, et vit toujours chez ses parents. Après la chronique de Nadia Adam sur Europe 1, en novembre dernier, où elle se moquait d'un forum hébergeant les déchets non recyclables d'Internet, il a posté sur Twitter un photomontage avec la tête de la journaliste sur le corps d'un otage de guerre. Il est poursuivi pour menace de mort. J'avais pas pris en compte le côté menaçant, explique-t-il. La chronique de Nadia Adam, il ne l'avait pas entendue en entier. La journaliste qui réagissait au raid numérique lancé via le forum contre Elliot Lepé et Clara Gonzalez, créateur d'un numéro anti-relou vite submergé par les appels malveillants. J'ai vu sur Twitter qu'elle avait pris à partie tout le forum. Je l'avais pas appelé, moi, ce numéro tant Tintin Dealer, pour expliquer sa colère. Il se tourne d'un air contrit vers la journaliste. Je tiens à vous demander pardon. Je voulais faire le malin, vous vivez sur la même planète que nous, cingle la présidente. Vous ne voyez pas le côté menaçant de la montrer comme otage de Dick? Non, ça ne lui est pas venu à l'esprit. Tiré bas quand des gens m'ont dit que c'était une menace, je l'ai supprimé tiré bas, explique le jeune homme. J'ai appris ensuite qu'elle avait été menacée, je ne le savais pas. Je voulais faire le malin point si j'avais su point j'aurais pas fait. Son avocat parvient à lui soutirer qu'il n'a rien contre les féministes. Au suivant point chemise et pantalon gris, 34 ans, petite barbiche, il est administrateur de base de données, sur internet, on le connaît comme 4HNT3, je suis un membre lambda du forum 1825, je fais des messages trollesques. La présidente a du mal à voir l'humour du message posté le 2 novembre sur la plateforme. Vous écrivez, la moufle brunette, je lui remplis sa bouche avec mon foutre. Ça veut dire quoi, à part lui imposer une fellation, monsieur? Je peux pas vous expliquer, à mon sens, c'est une image. Bon, je ne suis pas Guillaume Apollinaire. En effet. 6 mois de prison avec sursis. L'homme regrette ensuite les conséquences de toute cette histoire, pour Nadia Adam, mais aussi pour lui. J'ai été mis à pied, je vais sans doute être licencié, explique-t-il. La déposition des deux prévenus a estomaqué Nadia Adam. Je suis sidéré par la désinvolture, la naïveté des propos, qui confinent parfois à de la bêtise. Quand j'ai entendu « Oh là là, vous savez, ma vie est pas facile depuis cette histoire », j'ai failli rire. Quand on participe à un raid, car ce sont des raids qui ont été menés contre moi, on peut pas la jouer désinvolte ou naïf. La réalité a rattrapé les deux hommes, au casier judiciaire vierge, et qui s'imaginaient sans doute à l'abri derrière leur écran. Tintin Dealer et 4HNT3 écopent de la même peine, 6 mois de prison avec sursis et 2 000 € de dommages et intérêts. Le plus jeune n'est pas revenu écouter la sentence. Point très ému, Nadia Adam souffle, j'espère que c'est fini, cette fois. Son avocat réagit, lui, sur Twitter. Point à la barre, Nadia Adam a expliqué que bien qu'ayant quitté tous les réseaux sociaux, elle reçoit encore des messages haineux.
Il y a un mois, alors qu'elle était au tribunal pour cette même affaire, elle a été cambriolée, la porte de son appartement défoncée en plein jour. Les policiers m'ont dit que c'était ciblé. Elle est en train de déménager, avec sa fille de 12 ans, qui changera de collège à la rentrée. Il s'est passé quelque chose, aujourd'hui. On dit que ça existe, le harcèlement, la persécution.